Eh ben salut tout le monde, c'est Toxic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça c'est spécial, on va refaire une mission du jeu. Donc je m'en rappelle plus très bien de la mission. Donc pourquoi je fais une mission du jeu? C'est tout simplement parce qu'on a la possibilité les gars de gagner le DLC Wheelrun en version numérique. Donc un code pour débloquer Wheelrun, bien sûr ce sera pas tout de suite, mais si on arrive dans les 25 premiers, on aura le droit de débloquer un code. Donc je fais cette mission tout simplement pour... je vais essayer de la faire en masse de toute façon dans la journée, pour essayer de faire un maximum de records et puis m'approcher un peu plus de la 25e place, même si je sais que ça va être très difficile vu que tout le monde va l'effectuer. Mais si jamais par chance je viendrai à atteindre l'objectif, voilà, ce sera pour vous les gars, je vous offrirai le code. Pour la simple bonne raison, c'est que moi j'ai les moyens de l'acheter, donc je m'achèterai mon petit Wheelrun. Et je sais qu'entre vous il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de l'acheter, donc j'offrirai le code. En tout cas les gars, j'espère que ça va vous faire plaisir. Bon, je vais faire le maximum. Là, on est en train de la refaire ensemble la mission. Donc la mission, c'est dernier échelon les gars. Donc c'est une mission du scénario, hein. C'est dans l'histoire. C'est de la fin, vers la fin je pense de l'histoire. Donc on va faire cette petite mission tranquille. On va voir comment ça se passe. On a 15 checkpoints à passer. Voilà, donc là, on va la faire vite fait. Je vais pas non plus donner le maximum, tout simplement parce que quand je parle, je suis pas forcément très très concentré à la route. Je fais plus attention à ce que je dis. Mais on va faire le maximum, même si un d'entre vous hein, veut tenter le record et carrément, bon voilà, hein, atterrir aussi dans les 25 premiers, ce serait super. Après, je sais pas exactement si c'est tous les 25, enfin, c'est les 25 qui reçoivent un code ou quoi. Mais j'ai vu qu'il fallait se mettre en tout cas dans la liste des 25. Donc voilà, là on va la faire tranquillement. Donc c'est une mission qui a l'air de se passer assez vite, les gars. Hop. Là, avec la team, on revient de la PGW, on essaiera de faire une vidéo dans la semaine avec. Avec notre petit tour à la PGW, donc c'était assez sympa, mais vraiment très 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 fatigant. On a fait je sais pas combien de fois le tour. On a pu tester Homefront qui était plutôt pas mal, un jeu plutôt pas mal. Même si c'est sûr que je mettrais pas 60€ dedans. C'était plutôt sympa, c'est la première année que j'y vais, on a l'occasion de tester les jeux. D'habitude on arrive et c'est tellement blindé qu'on peut pas. Cette année on était dimanche, donc hier. Et ça va, hein. C'était assez cool. Après bon, c'est vrai que vers 11h tout le monde a commencé à débarquer et là c'est devenu chaud. On s'est vite sauvé par un petit hélicoptère. Donc les gars, aujourd'hui je vais essayer de farmer la course un maximum pour essayer de me rapprocher d'un petit record. Enfin, c'est pas vraiment le record que je vise, mais bon, les 25 premières places j'aimerais bien, même si je dois acheter une nouvelle voiture, pour essayer de m'approcher le plus possible des performances. Donc oui, j'ai pas dit, donc on a deux, donc on a d'aujourd'hui, donc lundi au 9 inclus, hein, donc voilà, le 9 jusqu'à 23h59 on pourra essayer de faire la mission, essayer de gagner sa place et son petit Wheelrun en version numérique. J'ai entendu dire que Wheelrun, la date n'est pas définitive, elle va peut-être être repoussée. Je pense pas personnellement, ils ont annoncé la date, ils l'ont toujours pas bougé, mais dans les commentaires de la dernière vidéo j'ai vu ça et je pense pas honnêtement. Je pense que si ce serait avancé ou repoussé. Enfin pas avancé, ouais, plutôt repoussé, il l'aurait déjà dit. En tout cas, vu le test de la bêta et du DLC, en tout cas, moi j'ai kiffé et j'attends que ça. Ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc là, ils me disent plus si je suis en avance sur mon propre temps. Moi je me rappelle à l'époque où j'ai fait cette mission, j'avais pas ces voitures là non plus. Hein. J'avais pas les voitures qui étaient spécialement à fond. On a 10 secondes sans lui qui est derrière nous. Donc je sais pas comment on va faire pour atterrir dans les 25 premiers. Je sais pas s'il faut la faire en multi. Parce que là je viens de la lancer en solo. On verra bien à la fin. Oh là. Non merci, envoyer la pièce au QG c'est de la merde. Est-ce qu'on voit le classement?
Non, on voit pas le classement. Ah si, d'accord. Donc ça, c'est le classement, mes amis. On est 4700e mondial, les gars. Il n'y a pas moyen d'avoir les scores des gens. Ah non, je sais pas comment on fait. Donc faut avoir le plus de points possible et on... c'est quasiment impossible à dépasser quoi. Donc je sais pas, honnêtement je sais pas comment ça va se passer. En tout cas je vais farmer la course un maximum de fois pour essayer de monter dans les échelons. Et bon, essayer de vous rapporter un petit DLC pour vous, ça me ferait vraiment plaisir. Bon les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle, que ce soit sur ce coup ou un autre jeu. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à liker et à la partager un maximum. On a atteint les 1600 abonnés au passage, je voudrais vraiment vous remercier, ça fait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, allez, ciao.